Vous savez que la critique est aisée. Moi qui vous parle ici, j'ai beaucoup de respect pour les gardiens de but. Soyez-en sûr, ce n'est pas un métier facile parce que, au niveau Iwawa, dans le cadre du sport du maintien, j'ai longtemps été gardien. En tout cas, ce n'est pas un boulot facile. Mais est-ce que Pavel n'est pas un gardien nul? Pardon? Est-ce que Pavel n'est pas un gardien nul? Non, je ne peux pas dire que Pavel est un gardien nul, parce que c'est un gardien qui a quand même fait des merveilles, tant en équipe nationale, au niveau des juniors, qu'au niveau des clubs, il a fait des exploits. Donc c'est quand même un gardien à féliciter. Nous ne devons pas être ingrats, nous ne devons pas vite oublier l'histoire, parce que un match où le gardien n'est pas peut-être à la hauteur, ne va pas quand même effacer tout son parcours, ne va pas effacer toute sa gloire, ne va pas effacer tous ses exploits, mais seulement que lors de ce match, je partage cet avis parce que pour moi, il a été réprochable, surtout sur le deuxième but où il n'a pas eu une main ferme. C'est un ballon qui pouvait bien repousser hors du petit carré et puis mettre le Congo à l'abri, mais ça n'a pas été le cas. Vous savez que le football, ce sont des faits de jeu, c'est des choses qui arrivent, mais c'est regrettable que ce soit arrivé au Congo lors de ce match si important et un résultat nul qui vient nous mettre à la porte. Et aujourd'hui, vouloir enterrer Pavel, je pense que ça serait quand même méchant, parce que c'est quelqu'un qui a fait le beau temps avec l'étoile du Congo. C'est quelqu'un aussi qui a été du côté de Toyo avant d'aller cette année du côté de l'armée patriotique rwandaise. Il est là-bas pratiquement depuis 2 mois. Il a récemment perdu la Super Coupe du Rwanda face au Rayon Sport 3-0, malheureusement. Je ne sais pas si ce sont des signes qui annoncent peut-être la fin de sa carrière. Je ne sais pas, mais je pense bien que lors du dernier match contre la Gambie, personnellement, je pense que le gardien n'a pas été à la hauteur. Mais ça ne dit pas, ça ne fait pas dire de lui qu'il n'est pas bon. Est-ce que le Congo a maintenant un sérieux problème avec ce poste de gardien? Est-ce qu'on ne pourra plus avoir ces gardiens qu'on a connus comme les Samba Brice? Vous savez, depuis un moment, on doit dire les choses clairement parce qu'il est de notre devoir aussi de dire les choses telles qu'elles sont. Depuis, je pense que depuis le départ de Mouko Barrel à la tête de notre équipe nationale, on n'a vraiment pas eu un gardien c'est-à-dire un gardien vraiment qui dégage de la sérénité, un gardien qui rassure. C'est pourquoi vous allez même remarquer qu'à la tête de notre équipe nationale, il y a eu une valse de gardiens. Après le départ de Mouko Barrel, il y a eu Mafumbi, après Mafumbi, de temps à autre, il y a le gardien Chancel Massa qui est revenu. Après Chancel Massa, on a eu Mongonza. Après Mongonza, c'est Pavel. Donc allez-y comprendre que sur ce point-là, en tout cas à ce niveau-là, au niveau des gardiens, le Congo depuis un moment n'a vraiment pas un gardien de haut niveau, un gardien qui rassure, un gardien vraiment qui mette tout le public sportif en confiance. Donc je pense que sur ce point-là, le Congo devrait vraiment travailler. Qu'est-ce que vous pouvez dire de Samba Brice et de celui que vous venez de citer? Vous voulez parler de Mouko Barrel? Mouko Barrel. Oui, ce sont des gardiens qui ont fait le beau temps au Congo. Pour moi, Samba Brice, il reste certainement le meilleur gardien de l'histoire du Congo, même si il n'a pas eu une Coupe d'Afrique, même s'il n'a pas eu de titre majeur avec la sélection. Mais de par ses exploits, tant en équipe nationale qu'en club, c'est un gardien qui mérite beaucoup de respect. En tout cas, je lui tire son chapeau. Et jusqu'alors, il inspire pas mal de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez certains gardiens, voilà, ils ont pour référence Samba Brice, même à travers son fils, qui aujourd'hui est dans les cages du Racing Club de Lens. Quand on le voit, automatiquement, on remonte aux exploits de son père. Donc, ça reste quand même une légende, même si au Congo on a eu d'autres gardiens comme Tembo, comme Itoua, Jupiter et autres. La liste elle est longue, mais je pense bien que Samba Brice c'est le top. Quant à Mouko Barrel, c'est un très bon gardien aussi qui a quand même ouvert quelque part la porte aux gardiens congolais au niveau de l'Europe, parce que c'est je pense bien le premier gardien congolais
à faire des exploits en Europe, notamment au niveau de Lille, où il s'est bien comporté, et surtout avec Dijon aussi, club avec lequel il avait remporté le championnat de France au niveau de la Ligue 2. Donc je pense que ce sont des exploits qui montrent à quel point ces deux gardiens dont nous parlons ont vraiment fait de bonnes choses, et il reste toujours des exemples à citer quand il faut évoquer les légendes à ce poste au niveau du Congo. Est-ce que c'est un gâchis pour le Congo de ne pas voir le fils de Monsieur Samba Brice dans notre équipe nationale? Ben, c'est plus qu'un gâchis. C'est plus qu'un gâchis parce qu'aujourd'hui, quand on sait que le poste de gardien de but, c'est un poste très sensible. Et aujourd'hui, avoir une valeur sûre comme Samba Brice Samba, le fils du légendaire, qui était aussi proche de notre équipe nationale, et à la dernière minute, se retrouver avec l'équipe de France, je pense bien que c'est regrettable. Je pense qu'avec lui dans les buts, ça aurait été une force supplémentaire pour notre équipe nationale. Silver Ngavula, il a été loin de l'équipe nationale pendant une très longue période pour des raisons sportives, parce qu'avec son club de Borum, il n'était plus titulaire, il n'avait plus du jus dans les jambes, il n'avait plus beaucoup de minutes de jeu. Et ça déjà, ce détail-là déjà le disqualifiait, pardon, d'une convocation en équipe nationale. Et la chance qu'il a eue avec le travail abattu par son manager, il a rebondi du côté de Young Boys de Berne, en Suisse, club avec lequel, durant les matchs amicaux, il a fait de très bons résultats, de très bonnes prestations. D'ailleurs, ils sont même qualifiés pour la Ligue des champions européenne en battant lors du dernier tour préliminaire, je pense bien, le Panathinaikos, si je ne me trompe pas. Voilà, un club. Non, non, Donc, pas le Panathinaikos. il est en forme actuellement avec son club en Il est Suisse. en forme avec son club de Suisse, parce qu'en championnat, lors de la première journée, il avait marqué lors des matchs amicaux, il a aussi fait de bonnes prestations. Il a en fait, simplement, je dirais qu'il a des statistiques très positives. Voilà. Avec son... Alors, mais pourquoi on ne sent pas, on ne sent pas cela à l'équipe nationale? Bon, mais c'est comme je l'ai dit, il est revenu au devant de la scène avec l'équipe nationale. Et le voilà déjà qui marque un but. C'est vrai que c'est un penalty. Je pense bien que c'est déjà un signe fort. Et on devrait même vraiment compter sur lui et bâtir même notre équipe nationale autour des joueurs comme ça. C'est l'un des rares. Mais dernièrement, vous l'avez souligné, que lors des questions orales, là où est-ce qu'on avait convoqué le ministre des Sports, il disait qu'on n'a pas des joueurs qui évoluent dans des grands clubs et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, le club comme Young Boys de Berne, ce club suisse qui participe régulièrement aux compétitions européennes interclubs, et quand vous avez un Congolais dans cette équipe qui est titulaire, qui marque aussi, je pense que c'est déjà un signe positif. On devrait vraiment aussi compter sur des joueurs comme Silver Ngavula. Il faudrait qu'on puisse aussi rappeler au Congolais Sylvain Ngavula, qui est un jeune qui a gravi les échelons lentement pour arriver au Oui. sommet. Un jeune de Diatta. Qui est passé Je ne par. sais pas si vous connaissez son histoire. En tant qu'amoureux du sport, j'ai quand même certains détails. Je connais un peu son histoire. Il sort d'abord du centre de formation Gotia. Gotia de Mfilou, 7e arrondissement. Il a vécu du côté de Djata, cette partie de Djata que nous appelons communément île Djata. Moi, je me rappelle encore de Silver Ngavula, c'était, je pense, en 2014, par là, 2014-2015. Il évoluait au club Patronage. En tout cas, c'était l'artificier même de ce club-là de Patronage. En tout cas, quand il n'est pas là, ses coéquipiers déjà s'inquiétaient que voilà, qui va marquer pour nous s'il n'est pas là? C'est quelqu'un qui a une très lourde frappe, en tout cas des frappes très chirurgicales. Et c'est un bon joueur. Je pense bien qu'aujourd'hui, sa progression, il est passé par la Belgique, il est passé du côté de l'Allemagne avec Borum, et aujourd'hui du côté de Young Boys. Je pense bien que son ascension n'est que normale, elle n'est que logique. Un secret que les gens vont sans doute découvrir à travers notre vidéo, c'est un genou que j'ai vu grandir. Son père travaillait avec ma maman à la poste, donc il venait parfois à la maison. Donc c'est déjà une joie personnellement qu'il puisse réaliser son rêve. Alors, on va parler de Bifouma. Bifouma aujourd'hui qui subit
certaines critiques des Congolais qui pensent qu'il est temps qu'il puisse prendre la retraite et d'autres qui n'hésitent pas à trouver anormal qu'il puisse toujours être appelé à l'équipe nationale, mais qu'on puisse parfois ne pas lui laisser finir le match. Qu'est-ce que tu peux dire de Bifouma dans ce match-là et face aussi à ces critiques qu'il subit des Congolais? Bon, déjà, la prestation de Bifouma dans ce match, elle a été vraiment fantastique. C'était même l'un des meilleurs Diables Rouges. C'est peut-être, à mon avis, l'une de ses, c'est-à-dire sa meilleure prestation durant cette phase des éliminatoires, parce qu'il a été irréprochable. Il a bien porté le ballon. Il a été un danger pour la défense adverse. Il a créé pas mal d'occasions. Il a organisé le jeu. C'est-à-dire, il était un peu sur. Il nous a un peu rappelé le Bifouma qu'on a découvert en 2015 au Nigeria, à Calabar, contre cette équipe nigériane que nous avons battue 3-2. Match qui a révélé Bifouma au grand public. Match qui a vraiment fait sensation. Donc, en voyant son match contre sa prestation contre la Gambie, ça m'a un peu rappelé Bifouma de cette époque. Là. Donc, ça reste malgré tout un cadre, malgré l'âge. Aujourd'hui, vous n'allez pas demander à Cristiano Ronaldo, malgré l'âge, de laisser son équipe nationale du Portugal. C'est vrai que Bifouma, du côté de Bifouma, il y a eu une certaine inconstance. Mais quand nous essayons de voir les joueurs que nous avons au sein de notre équipe nationale, Bifouma, même s'il ne peut plus vraiment tenir 90 minutes, je pense que c'est quelqu'un qui a sa place dans cet environnement des Diables Rouges. Parce qu'aujourd'hui, l'apport d'un joueur, ce n'est pas forcément sur le terrain. Même, il peut aussi conseiller ses joueurs. Il peut partager son expérience, son vécu. Il peut doper ses collègues psychologiquement. C'est très important. C'est pas pour rien que dans certaines équipes, même lorsqu'un joueur est finissant, même s'il n'a plus assez de temps de jeu, qu'on le garde dans le staff. C'est pour ces petits détails-là. Donc, il peut aussi servir, d'exemple, de locomotive pour certains qui viennent d'arriver dans cet environnement-là. Bifouma, je pense bien, c'est vrai. Je suis d'accord. Qu'il est finissant, après ce n'est que normal, hein. Vous savez, c'est le cycle de vie. Il y a un lancement, il y a la croissance, il y a la maturité, après forcément c'est le déclin. Ne soyons pas quand même aussi brutaux, ne soyons pas quand même aussi ingrats à l'égard de Bifouma. Il a sa petite expérience, donc je pense qu'il peut toutefois continuer à être dans cet environnement, mais il faut toutefois aussi déjà penser à la relève et ça doit se faire de façon vraiment intelligente et progressive. Alors, celui qui a marqué le premier but, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce joueur? Oui, écoutez, Gayous, en fait, a été l'un des meilleurs Congolais. Et aujourd'hui, je pense bien que le football ne ment pas. Dans le football, il n'y a pas de cafouillage, tout comme dans les autres sports. Titulaire indiscutable avec son club Victoria Guimarães du côté du Portugal. En tout cas, c'est un joueur qui compte beaucoup au sein de son équipe. Et il a toute la confiance du coach. Quand j'essaie de voir certains de ses matchs, c'est même très rarement qu'il est sorti. C'est un joueur qui donne tout son cœur, qui donne tout son corps pour que son équipe puisse faire de bons résultats. Et c'est dans cet même état d'esprit qu'il a abordé le match face aux Scorpions de la Gambie le 10 septembre dernier à Marrakech. Il a été l'un des meilleurs. En tout cas, il a été motivateur. Ça a été une vraie barrière, en même temps un vrai métronome au milieu du terrain. Donc pour moi, si je dois citer deux meilleurs Diables Rouges lors de ce match, ben, il va figurer dans mon top 2. Alors, celui qui a raté le but lors de ce match-là, le but que les Congolais ont crié en disant qu'ils ne pouvaient pas rater ce but. Nous saluons Ted Away qui nous suit depuis les États-Unis et qui te dit merci d'apporter cet éclairage envers les Congolais, chers compatriotes. Bon, ouais, c'est vrai. Il s'agit de Beni Makwana qui aujourd'hui évolue du côté de l'Ukraine. Il a passé quelques années du côté de Montpellier. Il n'a pas été titulaire, donc il n'a pas eu assez de temps de jeu. Et du côté de l'Ukraine, j'essaie de voir certaines séquences de ces matchs. D'abord, il marque beaucoup de buts. Il doit déjà en avoir 3 ou 4 depuis que le championnat ukrainien a commencé. Titulaire au sein de son club de Policia. Voilà, c'est le nom de son club. Mais là-bas, il voit les poteaux, il marque. Mais là, à l'Afrique, il voit les poteaux, il rate. C'est quoi ça?
Non, vous savez, le football, c'est un sport très complexe. Vous pouvez briller en club et ne pas connaître la même, ne pas faire les mêmes exploits avec votre équipe nationale, tout comme vous pouvez briller en équipe nationale et ne rien faire au niveau de votre club. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand même, ce que moi, je tiens à dire par rapport à la prestation de Beni Makwana, je pense que le Beni Makwana qu'on a vu lors du match contre la Gambie est en pleine progression. C'était quand même l'un des meilleurs Diables Rouges. Il a porté le danger au sein dans le camp adverse. Il a créé beaucoup d'occasions. Donc, il a même maintenu la défense gambienne dans son camp. Ça fait que l'équipe gambienne avait du mal à déployer son jeu dans la deuxième moitié du terrain du côté des Congolais. Donc, et c'est quoi, vous avez vu qu'il a vraiment donné le meilleur de lui-même, même si voilà que l'action qui, à mon avis, allait tuer définitivement, allait clouer carrément tous les espoirs gambiens, voilà, la barre, le ballon, pardon, vient ricocher sur le poteau gauche. C'est le football, ce sont des faits de jeu. Même beaucoup de grands joueurs aussi ont connu cela. Donc, on ne doit pas le blâmer pour cela. Et malheureusement, le football, c'est tout ça. Ce sont des détails et autres. Mais n'oublions pas toujours que c'est un joueur sur qui nous pouvons compter, surtout que depuis qu'il est du côté de l'Ukraine, avec l'équipe nationale, en tout cas, les signaux sont ouverts. Ses prestations deviennent de plus en plus intéressantes. Alors, celui qui remplace Bifuma, parce que Bifuma n'a pas fini le match. Oui, Bifuma n'a pas fini le match. Les remplaçants qu'on a eus, il y a eu, je pense, Mazikou qui évolue du côté de la Slovaquie. Il évolue du côté de la Slovaquie. Il est quelquefois titulaire, mais je pense bien qu'il n'était pas vraiment dans le match parce que dans la tête, je pense que les joueurs qui n'ont pas commencé le match, ceux qui étaient sur le banc, déjà dans la tête, je pense qu'ils se projetaient déjà dans la fête. Donc c'est pourquoi ils n'ont vraiment pas, quand ils sont rentrés pour certains, c'est même le cas de Guimbenza, je ne les ai vraiment pas sentis investis parce que pour eux, le match était déjà plié. Donc ils n'attendaient que le coup de sifflet final de l'arbitre marocain pour célébrer. Alors que le football, il faut vraiment rester vigilant. C'est même pourquoi je disais aussi que les choix du coach, certains ont été préjudiciables à notre équipe. Donc, si certains changements n'étaient pas faits, je pense bien que les Diables Rouges allaient continuer à nous montrer la même carte qu'ils ont eu à produire lors de la première partie. Benza, qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce joueur-là, Guy Benza? Benza, voilà, depuis un moment, il est en manque de confiance. Depuis un moment, c'est un joueur que je respecte beaucoup. C'est un joueur qui a fait beaucoup d'exploits du côté du Wydad de Casablanca, un club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions africaines, s'il vous plaît. Il a été meilleur joueur de ce club l'année surpassée en battant le Al Ahly, le géant national du Caire, 2 buts à 0 en finale, ce qui n'est pas rien. Donc, c'est un joueur très adulé du côté du Maroc. C'est même le premier Congolais avec justement son coéquipier de l'époque, Juven Tsoumou. C'était les premiers Congolais à gagner la Ligue des Champions africaines, ce qui n'est pas rien. C'est vrai qu'après, il est parti du côté d'Altaï, du côté de l'Arabie Saoudite. Une saison passée là-bas, il a marqué moins de 10 buts. Son contrat n'a pas été renouvelé. Il a été vendu du côté du Qatar, du côté de Muay Thaïr, où il a quand même connu un début de saison assez fracassant avant son match avant sa convocation en équipe nationale pour le match de la Gambie. Tenez-vous bien, il a fait un quadruplé en moins de 30 minutes. Donc, il a marqué 4 buts à lui tout seul en moins de 30 minutes face au club Marquilla. Donc, moi, je me disais bien que c'était des signaux forts qu'il lançait aux supporters congolais, aux amoureux du ballon rond. Et malheureusement, lorsqu'il arrive, ben, c'est carrément le contraire de ce qu'il fait en club depuis un moment. Malheureusement, c'est un joueur aussi, pardon, qui gagne
en masse. Donc, je crois qu'il devrait aussi travailler ce côté-là. Il devient lourd, donc il manque un peu d'agilité. Et à cela, quand vous avez des doutes au niveau de votre psychologie, quand ça ne va pas, je pense bien que ces deux détails-là vous conduisent droit vers des contre-performances. C'est en cela même que je disais qu'il est important qu'au sein de notre équipe, nous ayons un psychologue.